Rebonjour les testeurs de banc. De retour, troisième vidéo aujourd'hui. Ouais, mais on va les étaler dans le temps pour que vous ne fassiez pas une indigestion. Alors, cette fois-ci, on est sur l'île, on est à la fin, toute fin, vraiment les derniers mètres. Vous voyez, sur le planeur, bah derrière c'est la Seine. Voilà, c'est la fin de l'île de la Cité. Voilà, et mes côtés, alors place Dauphine, place du Vert-Galant, vous voyez, on voit le cul de la statue d'Henri IV. Le Pont Neuf. Et donc là, on est sur un square avec. Square du Vert-Galant. Exactement, alors avec derrière, il y a toujours. Il doit y avoir la Samaritaine d'un côté. Là! Et de l'autre côté, non, là, il y a le Louvre, là, voilà, ouais. Voilà. Et donc, c'est un petit square, les gens, ils vont pas forcément... Alors si, il faut savoir que là, vous avez l'embarcadère des vedettes de Paris. Là. Et donc effectivement, il y a pas mal de touristes là, mais sur le square en lui-même, c'est relativement tranquille. Alors surtout aujourd'hui, où il fait quand même un peu frais. Et voilà, et alors ça permet d'avoir... Il y a le QG des sapeurs-pompiers. En face, exactement, tiens, montre le QG des sapeurs-pompiers. Ouais, bien sûr. Voilà. Et la monnaie, si on va par là. Ah si, là, il faut montrer ça. Ah bah, j'aurais du mal. Voilà, ça. Ça, là. Là. C'est bon, tu l'as ? Ça. Ouais. Là, c'est l'Académie française. Ah oui. Avec le pont des Arcs qui est là. Et voilà. Donc c'est un rond. Alors par contre, oubliez la tranquillité parce qu'il y a des bagnoles. On les entend. Alors, on passe y en a, là. Il y en a là. Moins parce qu'ils ont rendu piéton. Ils ont rendu le quai. Mais au-dessus. Enfin, en bas, les berges, c'est piéton. Au-dessus, il y a les bagnoles. Hein, donc, on les entend. Mais ça reste quand même très sympathique. C'est à faire. Alors, en hiver, on est tranquille, il n'y a personne. En été, c'est blindé, hein, ici. Blindé. Donc, voilà, faites-le à la mi-saison ou en semaine, quand il n'y a pas beaucoup de monde. Ça reste très sympa. Et puis, ça permet d'avoir un point de vue un peu différent. Dans le temps, les îles, elles étaient dans Paris. Les îles, elles étaient à ce niveau-là, à peu près, voire un peu plus bas. Là, c'est vrai, on a le côté pont énorme, mais ça nous permet d'avoir un point de vue un peu différent sur la ville. Ouais. On fait la suite ? Ouais. On vous laisse. À très vite.